Numéro 5. Deux chameaux sont dans le désert. L'un regarde vers l'est, l'autre vers l'ouest. Comment, sans bouger, peuvent-ils se voir? Réponse, eh bien ils sont face à face. Numéro 4. Nous sommes nés de la même mère, la même année, le même mois, le même jour et à la même heure. Pourtant, nous ne sommes pas jumeaux, ni même jumelles. Pourquoi ? Réponse, eh bien nous sommes des triplés. Numéro 3. Une armada en comporte 3. Un bataillon en a 2, un commando n'en a qu'un et un régiment n'en a pas du tout. Qu'est-ce ? Réponse, la lettre A. Numéro 2. Dans 4 ans, Noémie aura la moitié de l'âge de Pierre. Aujourd'hui, Pierre a 14 ans. Quel est l'âge actuel de Noémie ? Réponse, dans 4 ans, Pierre aura 18 ans. La moitié de son âge sera donc 9 ans. Et aujourd'hui, Noémie, elle a 4 ans de moins, donc eh bien, faut faire 9 moins 4, et ça donne 5 ans. Noémie a 5 ans. Et enfin, numéro 1, une énigme assez connue. Angelo Di Scopa et Luciano Risotto, deux mafiosi, se sont retrouvés dans un bar sous bonne escorte pour élaborer un plan contre Al Minestrone, leur ennemi commun. On leur sert plusieurs martinis, et Angelo les sirote longuement tandis que Luciano vide les verres d'un trait. Soudain, Angelo s'effondre. « Il est mort empoisonné !» s'écrie Luciano qui comprend pourquoi lui est toujours en vie. Comment a-t-il survécu au poison ? Réponse : eh bien le poison était dans les glaçons servis avec les martinis. Et vu que Luciano les buvait très rapidement, d'un trait, il ne leur laissait pas le temps de fondre. Alors que, eh bien, Angelo, lui, les sirote longuement, les glaçons ont le temps de fondre, et le poison a le temps de se répandre, et donc, eh bien, il meurt.